La beauté, c'est une chose complexe, différente, ambivalente, parce que la beauté, c'est relatif. La beauté, c'est une chose comme d'habitude, on la prend pour l'aspect visuel. Et la beauté, c'est pas l'aspect visuel, c'est une chose dans notre main. Ça fait partie de notre pensée. On n'a pas la même beauté dans une culture différente. La beauté pour un Chinois, c'est pas la même chose que pour un Européen. La beauté dans un Européen du 12e siècle, pour ça qu'on voit dans l'art, c'était pas la même chose que la Renaissance. Et la Renaissance, en étant encore nous dans ce cycle-là, c'est différent de comme il était au 15e siècle. C'est-à-dire, la beauté, c'est une chose pas uniquement physique. Parce qu'il y a des aspects de la beauté qui font partie de l'individu d'une façon permanente. Ça, on revient à ce que je parlais tout à l'heure de l'amour. La beauté, ça dépend de l'amour. Quand on voit une belle femme, très belle, on ne pense pas uniquement comme il est. Et à côté, il peut y avoir la femme que tu aimes, qui l'est beaucoup moins. Mais c'est là que tu trouves la vraie beauté, parce qu'il y a l'amour mélangé. Et dans l'art, c'est la même chose. On peut avoir des choses merveilleuses du point de vue esthétique, mais qui ne te dit pas grand-chose, parce que ça que tu aimes dans l'art, c'est quelque chose de mental, quelque chose de façon de sentir, de façon d'être de toi-même. La beauté, c'est une chose relative, mais nécessaire.